Bon anniversaire, papa. Gary. Quoi? Quel anniversaire? Mais quel jour on est? Ce ne serait pas le jour de ton mariage? On est le 10 mai, non? Le 10 mai? C'est pas grave, tu étais tellement occupée. Je savais que t'oublierais. J'avais juré que tu souffrais du SAS. Et c'est quoi le SAS? Le syndrome de l'amnésie sélective. Ah, c'est pour moi. Ah, c'est tout à fait ce que je voulais. Et c'est Sam qui l'a choisi. Oh, regardez ça. C'est génial, ça. Allez, faut qu'on y aille. Hey. Et bon anniversaire à toi. Oh, Gary. SAS, hein? Alors, si tu n'es pas pris ce soir, je connais un gentil petit pub. J'adorerais y aller avec toi. Ah oui? Mais on a deux enfants. Deux enfants, tiens. Si on pouvait les vendre, au moins. À propos, la grande sur la gauche, elle pourrait peut-être commencer à gagner. C'est ça, faire travailler une mineure. Tu devrais avoir honte. Ouh, elle est forte. Maman, papa, j'ai une interro de géo. Faudrait que je fonce. Entendu. Je te retrouve ici même, hein? Ici, j'ai dit à 19h30. Disons 20h. D'accord. Salut. Salut les enfants. Au revoir. Bon, on se retrouve à la gym après les cours. Je suppose que tu vas encore monopoliser nos ordinateurs. Ils sont à nous aussi. Ouais, les genoux comme toi ont encore besoin qu'on les aide. Allez, en route vous deux. Salt Lake City. Allez, 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 mon vieux, défonce-toi, vas-y, montre-moi que t'es un homme, c'est ça, t'entends? Que tu veux faire rêver les gonzesses, c'est ça que tu veux, allez, souffle! Si tu veux faire travailler ta matière grise, t'es pas à la bonne école, mon vieux, allez! Encore, c'est ça, encore, oui! Oh. Salut, qui est dans le mur? Regarde-la, mais regarde-la! Ouais! Encore! Ouais, voilà! Donne-moi ça! Allez, vas-y, Rocco, vas-y, tu peux le faire. Allez, monte. 1, 2, allez, 3, vas-y. Allez, monte. Là, qu'est-ce que t'attends? Elle me voit bien. Vas-y, Rocco, on ne prendra même pas en équipe première. Allez, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez, pousse. Viens ici, approche-toi, mon pote. Je suis prêt à devenir un pro du football et tout de suite, ça tu m'as compris? Là, là, t'as la motivation. Ouais, je te sens motivé. Ouais, là. Ça va, laisse tomber. Salut, Courtney. Je vais avoir besoin d'un garde du corps personnel. Très personnel. Je suppose que t'as entendu dire que j'ai obtenu une bourse de football pour la fac de Boston. Ça, c'est un c'est mec. Vrai. Tant c'est mieux vrai. Pour toi. Au moins, tu feras quelque chose de ta vie quand tu seras diplômé. Ouais, et là, je t'imagine déjà en tant que petit ami, tu vois, installé dans le stade au milieu des anciens étudiants, en train de m'admirer, entraîner les autres et... Hein? J'aimerais bien ça, si j'étais toi, j'avoue, j'aimerais ça. Ouais, c'est ça. Tu peux dire aussi, c'est moi le quarterback, et tu me regardes depuis les gradins. Ouais, ce qui compte, c'est toi et moi. Ou alors moi et toi, mais de toute manière, tu comprends, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est moi et toi et rien d'autre. Oublie-moi, Rocco. Ben, je vais gagner bien plus d'argent que ton minable de petit copain, là, cette espèce de nulard, non? En plus, c'est même pas un joueur de football, ce mec. Excuse-moi, faut que je m'entraîne. Arrête, Courtney, tu sais bien que je suis fait pour toi. Tu sais que c'est moi. C'est Vire moi, d'ici. Ton mec. Vire, je te dis.
Je sais bien, tu te crois supérieur à moi et à mon petit frère. Toi et ton mec, vous vous croyez au-dessus de nous. Calme-toi. Vous êtes des gros nuls, tu lui diras. Bon, c'est bon. Ok, ça va. Je te montrerai que t'as tort, moi. Ouais, ouais, c'est ça. Je te laisse, Sam. Je suis à la bibliothèque si t'as besoin de moi. D'accord, maman. Je vais m'asseoir ici et surfer. Entendu. À tout à l'heure. RedSox.com, Go Sox. Boston Red Sox Legends. Sam? Salut Billy. Toujours en train de surfer? Toujours, oui. Toi, tu devrais te faire embaucher comme informaticien. Alors, des questions sur le baseball, ça te va? Allons-y. Dans l'American League, quel est le plus grand champion des années 63, 67 et 68? Notre équipe préférée, Billy. Monsieur Yaz, Karl Yastrzemski. Allez, les Sox. Tu sais comment il s'y prenait? Il la tenait ainsi, très haut la batte. Il descendait et bam! Dans les spectateurs. Ne vieillis jamais, Sam. Tu veux un petit coup de main? Je vais m'en tirer. Attends, je vais faire une petite pause. Voilà, écoute, écoute. Alors, c'est très simple. T'es là? Quoi? Tu fais attention, là. Oui. T'as plus de jus? Tu joues plus? On va tout débrancher? C'est ça, c'est ça. Il y aura plus de jus. On va tout débrancher. On a tout débranché. Ils auront plus de jus. Et approche, approche, tu vas voir. Quoi? Attends, j'ai une de ces idées. On va prendre un de ces ordinateurs, là, tu vois? Mm-hmm. Ah, je suis un génie, vraiment, je suis un génie. Un génie, alors? Alors, on va emporter cet ordinateur, d'accord. Et demain, on se pointe tranquillement et on dit qu'on a vu l'affreux petit copain de Courtney churaver l'ordinateur, hein? Et il se fait virer! Ouais. Allez, prends celui-là. Ouais. Si on en prenait deux. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Ah! Ah! Le môme! Il m'a vu, bon sang! Il faut qu'on le rattrape! Vite! Là-bas. Ah. Où tu veux aller comme ça? Ouais, hein, toi, t'iras nulle part. Viens, prends ici, allez. Oh, mais il est mort de trouille, ce gamin. Je t'ai eu, toi, on peut dire. Allez, approche. Voilà. Allez, viens, je m'occupe de toi. Pote. Oh, oh. Attends, touche à rien. Attends, arrête. Touche pas à ça. Ne fais pas ça. Tu vas le regretter. Tu vas. Je vais te démolir. Viens, je laisse pas tirer. Viens tout de suite. Je vais le pousser, toi. Arrête, couvrez-moi.
Tu as réussi à les voir. Sam, tu nous dis tout. Il faut que je sache. Ben, j'ai entendu un nom comme Rocco. Rocco? Rocco Firelli? Ce n'est pas possible. Il a reçu une bourse pour l'université de Boston, alors pourquoi ferait-il ça? Tu es sûr d'avoir entendu ce nom? Il a un tatouage de football sur le bras. De football, tu dis? Oui, et l'inscription, c'est Eagles, Eagles Rule. On va vérifier ça. Si ce que tu as dit est juste, Sam, j'aurai besoin que tu témoignes. Sam, écoute bien. Si tu as vu cette personne, il faut que tu témoignes. Mais je veux pas faire ça. Sam, le vandalisme est une chose très grave. Et si Rocco l'a fait, il faut que tu nous aides. Bon sang, c'est difficile. Au moins, si on pouvait l'aider d'une façon ou d'une autre. Est-ce notre faute? Même à l'école, ils ne sont plus en sécurité maintenant. Ah, chérie, es-tu encore en sécurité quelque part? J'en sais rien. Tu sais où on est tranquille? À la campagne. Là, on est encore en sécurité. Voilà. J'ai décidé de témoigner. Je crois que c'est la meilleure chose. Tu es sûre que tu as pris la bonne décision? Je suis mort de trouille, mais je le ferai. Eh bien, il faut que je te dise que ta mère et moi, on est très fiers de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sam va le faire. Il a décidé de témoigner. Cool. Rocco est un crétin. Dites, papa et moi, on pensait qu'un jour, on pourrait peut-être partir, quitter la ville. Et vous deux, qu'est-ce que vous en dites? What? Jamais. On peut pas s'en aller d'ici. Tu oublies que je suis au collège? Non, non. Ta mère et moi, on n'a fait qu'en discuter. Je n'irai nulle part, jamais. Jeune homme, vous êtes reconnu coupable de vandalisme sur du matériel appartenant à votre collège. Vous êtes très doué, vous avez un brillant avenir, mais pas si vous continuez à faire des mauvais choix. Obtenir une bourse en football n'est pas quelque chose que l'on doit négliger. Je vous condamne à la restitution de tout le matériel à votre collège et à 6 mois de travaux d'intérêt général. Cette audience est levée. Ouais. Salut Sam. Ça va? Wow, il est cool ton VTT. Ouais, c'est mon cadeau d'anniversaire et il est rapide. On y va? Ouais. Tu vas nous tuer, arrête oh, un peu de je vais me le faire ce monde, t'entends, alors détends-toi. Je vais chercher mon père. Ouais, plus tard. Tu vas voir, je vais le coincer tout de suite. Dieu, il est mort. Oh là-dessus, je te dis, oh, qu'est-ce qu'on va avoir comme ennui. Allez, viens, filons, filons, filons. Tu vois, tu m'écoutes jamais. Tu vas avoir des problèmes.
Tenez, vous voulez un stylo? Pourquoi quelqu'un voudrait me faire du mal? J'en sais rien, ça. Vous avez une assurance? Non, aucune. Alors je vais ouvrir un dossier. Oui, entendu. N'est pas accepté. Vous avez une autre carte? Non, je n'en ai pas d'autre. Vous en êtes sûr? C'est ce que dit la machine. Vous pouvez demander une aide médicale? Non, merci. Je n'ai besoin d'aucune aide. Qu'est-ce qu'il y a? Il refuse ma carte de crédit. Gary, je ne sais pas si nous aurons de quoi payer le loyer ce mois-ci. J'ai toujours la possibilité de faire des heures supplémentaires. Tu crois que tu pourrais demander une avance sur ce contrat que tu as passé? Malheureusement, j'ai perdu l'affaire ce matin. Il n'y a plus le moindre contrat. Je suis désolé. Tu te rappelles notre conversation de l'autre jour? Mmh. Oui. Mmh. Et si on le faisait? Dis-moi, si on s'en allait d'ici? Si on partait quelque part où... quelque part où on peut enfin vivre? Où on ne fait pas qu'exister seulement moi après moi? Où ça, Gary? Je l'ignore, quelque part. Il y a bien un coin où... on va bien trouver un endroit où les enfants sont gentils entre eux. Où ils ont le droit d'être des enfants. On pourrait acheter une maison. Avec quoi? Je peux demander à retirer le capital de mon fonds de pension. Ça ne fera pas une fortune. Je n'ai pas besoin d'une fortune. J'ai seulement besoin d'un acompte pour pouvoir acheter une maison. Papa, je t'en supplie, me dis pas que c'est ici. Si, c'est ici. Le centre-ville. Génial. Où est le centre commercial? Eh bien, je crois qu'il y en a un à Burlington. Et Burlington, c'est une grande ville? Sûrement, oui. T'es voir le jardin? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Elle est magnifique. C'est vraiment la nôtre. Ouais. C'est vraiment la nôtre. Dommage que c'est pas la tienne. C'est moi qui l'ai vue en premier. Oui, c'est vrai. Merci. Hé, je te dis que je l'ai vue en premier, c'est pas juste. Je m'en fiche. Mais c'est la mienne. La ferme, ça. Mais pourquoi ce serait à toi? Parce que je suis la plus âgée. Hé! Ah, elle est chouette aussi.
On a de nouveaux voisins, Mac. Qu'est-ce qu'il y a une foutre? Il n'y a aucun centre de thalasso dans le coin. Vas-y doucement. Hé! Hé, il vous faudra un petit coup de main? Ah oui, ce serait bien gentil, merci. D'accord. C'était par curiosité. C'est très amical comme réception. Oui, mais je suis sûr que ça va se tasser. Dolores a toujours aimé cette maison. Je t'appelle depuis 5 minutes. Tu veux bien m'aider? J'ai besoin que tu ailles à Eagle Rock. Tout de suite, là? Oui, si tu veux déjeuner. Mais je ne peux aller nulle part, je viens me mettre du vernis. Tu n'as qu'à le sécher. Mais ça va totalement gâcher la finition. Et puis c'est vraiment très loin et je n'ai pas envie de marcher 20 minutes. Oh, quelle tragédie. Tu peux envoyer Sam, s'il te plaît. D'accord, j'envoie Sam. Mais la prochaine fois, ce sera ton tour. Tu peux lui dire de ramener des yaourts glacés. Quelque chose d'autre, Votre Altesse? C'est lui le type? Hein? Ouais. Il a vraiment l'air d'un naze. Ouais, ça tu peux le dire. Salut? Pour ma mère, s'il vous plaît. Tu t'appelles comment? Sam. Sam Doherty. Et moi, c'est Dennis. T'es sûrement le nouvel arrivé. Ouais. Alors, bienvenue à Woodfield, Sam. Sam Doherty. Bon, qu'est-ce qu'il te faut? Rien si je t'en donne une. Hé! Tu ne vas pas manger toutes mes saucisses? Je vais me faire gronder par ma mère! Quel coin! Salut! Où tu vas comme ça, frimeur? Hé, t'as vu? La petite fille va faire son marché. Je suis pas une fille? Si, t'es une fille, puisqu'on te dit que t'en as une. Parfaitement, qu'est-ce que t'as là-dedans? C'est intéressant. Oh, pauvre petite fille. Retourne là-bas où t'habitais. C'est ici maintenant que j'habite? Ça sûrement pas, tu te pointes ici, tu nous voles nos maisons, tu nous voles nos emplois. C'est pas pour ça qu'on est venu habiter ici. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Attention, clébard. Ah!
s'est passé? Je suis tombée. C'est vrai? Tu es tombée où ça? Sur la route, j'ai trébuché. T'as de l'œuf dans les cheveux? Je suis tombée sur le sac à provisions. Je courais et j'ai trébuché. Vous me croyez pas ou quoi? Allez, va te laver et je vais te préparer quelque chose à manger. Vois le bon côté des choses, Sam. Dans les œufs, il y a plein de protéines. C'est bon pour les cheveux. Laissez donc, madame. Ah bon? Je vais le faire pour vous. Oh, j'ai tellement pris l'habitude de le remplir toute seule. Merci. Je vous en prie, madame. Vous me faites le plein, s'il vous plaît. C'est entendu. Salut, ça va? Vous venez de vous installer, hein? Waouh, quelle imagination! Il est vrai que ce n'est guère difficile de remarquer une famille qui s'installe dans une ville qui compte au moins 5 personnes, faut le faire. Oh, on est plus nombreux que ça. Ah oui? 6 alors. Ben, ça dépend, si vous comptez les vaches. Oh, qu'il est amusant! Si vous cherchez quelqu'un pour visiter le coin, ça me ferait très plaisir de vous... Ça va, j'ai des yeux. Je le visiterai moi-même, je vous remercie. Ils sont très beaux, ces yeux. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Il est très gentil. Et mignon, je trouve. Surtout curieux, à mon avis. Et à propos, mon nom, c'est Judd. On s'en fiche! Je te remercie d'avoir chassé ces abrutis tout à l'heure. Tu n'appartiens à aucun maître? Tu n'as pas de nom non plus? Je crois que je vais t'appeler Joker. Ça va? Tu aimes? Ouh, t'es gentil, toi. Attends, attends, je vais la voir. Ça y est, je l'ai. Et regardez, les gars, attention, je l'ai. Allez, dégage, pousse-toi, faut que je le remonte, imbécile. Je l'ai, ouais. Regarde ça, je l'ai. Wouh, il est beau, ce poisson. C'est moi qui l'ai attrapé. Wouh. Ouais, je suis le maître du monde. Je suis tombée dans la boue, mais je l'ai attrapé, ce poisson. Et t'en attraperas jamais un aussi gros que celui-là. Je vais faire de toi, dit Joker. Je vois que tu n'as pas où aller. J'aimerais bien te garder. Mais il faut que je demande à ma famille. Tiens, attends-moi ici. Maman? Oui, ça? Je peux te demander quelque chose?
Bien sûr, de quoi s'agit-il? Ben, je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui. C'est merveilleux, chérie. Où est-il? Il est là, dort. Est-ce qu'il peut rester avec nous? Pour le déjeuner? Oui, et pour toujours. Oh, Sam! Il est adorable, ce chien. Est-ce qu'on peut le garder, maman? Il n'a pas de maison, il est abandonné. Gardez qui? D'accord. Viens, mon chien. Entre. Attention, Monsieur Lewis, veuillez vous rendre au poste 12. Monsieur Lewis, poste 12. Appel pour Monsieur Lewis. Bonjour, Monsieur Burns. Il est là-haut. Monsieur Burns. Ah, merci. Bonjour. Gary Doherty. Ah, vous avez là un site très important. J'ai hâte d'y apporter ma contribution. Monsieur Doherty, nous avons un petit problème. Les choses ont un peu changé. Nous n'avons plus besoin d'un contremaître. Je croyais que j'avais été retenu pour cet emploi. Le marché s'est ralenti et je ne peux rien faire d'autre. Non, je n'y suis pour rien. Attendez. Accordez-moi une minute, vous voulez? Votre entreprise m'a promis un emploi. J'ai déménagé avec ma famille, je suis parti de Boston. Nous n'avons signé aucun contrat, monsieur Doherty. Monsieur Burns, je serais disposé à accepter une autre proposition. Je souhaiterais en avoir une. Je suis vraiment désolé. Où je te pose ça, Jim? Là-bas, à droite. Nouveau contremaître? Un pote à moi depuis le lycée. Ce n'est pas la fin du monde, chérie. Woodfield. Je serais bien arrivée tout de suite, mais j'ai préféré vous laisser le temps de vous installer. J'espère que vous aimez la tarte. Ce n'est qu'un petit geste de bienvenue, mais j'en fais constamment des gâteaux, surtout à l'époque de la grande foire annuelle de la ville. J'ai un stand de tarte et de gâteaux tous les ans. Apparemment, ça fonctionne très bien et je donne tout l'argent récupéré à l'église. Joker aujourd'hui. Tu ne trouves pas qu'il est chouette? Il est superbe. Il a dit que t'étais super, mon grand. Il a raison, c'est vrai. Va chercher! Tu devrais être dans l'équipe des Red Sox, mon chien. Oh non!
Suis-moi, on va se cacher. Sors de là, mon garçon. Dis, tu m'entends? Si tu ne veux pas me voir, ne te cache pas au milieu du lierre vénéneux. Tu vois, elles sont rouges, ces feuilles. C'est un avertissement, c'est un signe. Ça veut dire, ne t'approche pas de moi, ne me touche pas, ou alors tu vas te gratter comme un damné. Comment se fait-il que tu sois tout seul? Tu ne t'es pas encore fait d'amis? Non, pas encore. Eh bien, nous deux, on peut être amis. Approche et monte. On va ramasser du maïs tous les deux. Trouvez ceux qui sont très secs, de couleur brune et soyeux. Ceux-là sont les plus mûrs. Et alors, tu n'as qu'à le tenir fermement et tirer fort. D'accord? Prends-en autant que tu veux. J'amène le tracteur et on va charger toute la récolte dans la remorque. Non, Joker. Celui-là est pourri. Joker! Joker! Désolé, il a déboulé si vite. Joker... C'est de la phytothérapie, Sam. Des herbes, rien d'autre. Et voilà, ce gentil petit toutou va se transformer en un robocop chien dans peu de temps. T'inquiète pas. Ne t'en fais pas, Sam. Dennis va le remettre sur pattes. Il se charge de tous les animaux ici. Bonjour tout le monde. Alors, mon grand, comment tu vas? Et bonjour, toi. Tu vas mieux? Bon, toutou, ouais, bien. T'en veux un peu? Non, merci. Où est votre mère? Je n'en sais rien. Elle s'est levée tôt ce matin. Ah oui? Et je vous prépare un petit déjeuner? Non? D'accord. Bonjour. Marilyn, tu ne crois pas que tu aurais pu m'en parler d'abord? Ce n'est pas grand-chose, Gary. Juste un petit emploi pour nous aider à tenir. C'est quelque chose tout de même. Il y a des gens qui traversent tout le pays pour finir serveuse ici. Ouais, on peut plus vivre d'amour et d'eau fraîche à partir d'un certain âge. Hé, hey, la serveuse, nos crêpes, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Et voilà, messieurs, bien chaudes et bien dorées. C'était trop long.
Bonsoir, chérie. Je te l'ai caché parce que je savais que tu dirais... Quitte cet emploi, Marilyn. Exactement. Je ne veux pas que tu approches ces gens. Tu as acheté une maison dans la même rue que ces personnes, Gary. J'ai fait une bêtise. Je voudrais travailler. Pour ramener quoi? Un salaire misérable? Ce salaire nous réglera quelques factures au moins. Je vais trouver du travail très bientôt. J'en suis certaine. Alors lâche ça. Non. Marilyn n'est pas pu venir aujourd'hui. Eh bien, elle a trouvé un emploi. Oui. J'ai prié pour que ça arrive. Je sais bien que les choses vont se débloquer. Je vous remercie, madame. Bonjour, monsieur Burns. Je vous présente mon nouveau voisin. Bien, bonjour. On s'est déjà rencontrés. Oh, magnifique. Monsieur Doherty, je n'ai pas été honnête avec vous au sujet de votre poste. On m'a poussé à engager quelqu'un de la région. Eh bien, j'espère que ça ira. Attendez. Je connais une personne qui cherche quelqu'un. C'est signe que ça va mieux, non? Hein? Qu'est-ce que je vous disais, les gars? Elle est super, cette fille. Waouh! Je me demande quel âge elle a. Trop vieille pour toi, minable. C'est toi, le minable. J'arrête de jouer un peu, Sam. J'ai trop chaud. Va plutôt jouer avec ces garçons. Vous avez vu, elle m'a regardé, moi. Tu rêves un peu. C'est moi qui l'a remarqué. Je suis sûr que non, quel ballot. Non, je préfère jouer avec mon chien. Allez, viens, Joker. Eh, si on est gentil avec lui, on pourra l'approcher, elle. Eh. Voilà, on regrette pour l'autre jour, on voulait juste passer le temps. Je m'appelle Jill. Et moi, Joel. Oui, ça c'est Slim, le gros tas. Arrête. Mon nom en réalité c'est Danny. Et moi c'est Sam. Alors, tu viens te balader avec nous? Tu veux voir notre ring de sumo?
Qu'est-ce que c'est? Viens, on va te montrer. Bah, tu veux pas être copain avec nous? Alors viens. Konnichiwa, bienvenue Woodfield Square Gardens pour le championnat mondial de sumo. Jil-san, Fatso-san, Ra-samurai. Aïe-aïe-ka, aïe-oué, aïe-aïe. Aïe-oua, aïe-aïe. Jil-san, Mishawa, Mikaya Tekonga. Voici, voici Kumata, Daya. Jil-san, Sumo. Où les joies? Oui, je me vengerai bien. Oh, qui va se bien, mais qui t'a tselé, moi, yo. Kingawa. J'ai joué avec le nouveau voisin aujourd'hui. Hein? Le garçon d'à côté, j'ai joué avec lui. Je veux pas que tu traînes avec ce garçon, on sait rien de lui après tout. T'as déjà tes copains, non? C'est avec eux que tu dois t'amuser. T'as compris? Hein? Oui. D'accord. Mon père dit qu'à Boston, c'est un vrai Beans et qu'il y a plein de crimes. Non, c'est pas vrai. Il y a des tas de musées, de collèges, de lycées, et il y a une grande équipe de baseball. Quoi encore? Et à l'océan. Waouh! T'allais souvent à la plage? Tout le temps. J'aimerais bien pouvoir y aller. Pourquoi? Tu nages même pas. Je sais nager, moi. C'est toi qui sais pas. Menteur! Je sais nager, moi. Bah, je t'ai jamais vu nager. Il y a des tas de choses que tu m'as jamais vu faire, toi. Pff, mais pourquoi tu veux nager, d'ailleurs? Tu coulerais au fond avec toute ta graisse, gros porc. T'es un menteur, je suis sûre que tu sais pas nager. C'est ma mère qui me l'a dit, pauvre mec. Comment ça se fait que j'ai jamais vu ta mère? Elle est morte. C'était une alcoolique. Je te défends de parler comme ça de ma mère. Je voulais pas dire de mal d'elle, Jill. Hé, hey, calme-toi, t'es fou. Arrête. Jill, excuse-moi. Lâche-moi, toi. Jill, reste avec nous. Jill, je voulais juste lui dire ce qui s'était passé. Jill, je te demande pardon. Voilà, c'est ici. Mais on va où, là? Tu verras. Ouais, tu verras. Ouais, ouais, bah moi, ça me fout la panique. Si tu t'en vas, inutile de revenir. C'est à qui, ça? À des sorcières. Ouais. Elles vivent dans les bois. Non, pas du tout. Les sorcières, ça n'existe pas. Tout le monde sait que les sorcières, ça existe. Ne t'approche pas trop, attention. Et maintenant, les gars, si on filait, hein? Ouais, faudrait pas se retrouver tout seul ici, hein, Joel? Faudrait pas. Il y a plein de gens qui disparaissent constamment. Absolument. Mais la ferme, les gars! Slim... Allez, avancez!
C'est pas une vraie. Quoi? T'as la trouille? Non. L'araignée nous a vus. On se bat. Allez, en route. C'est ici. On y va? On va faire quoi? On va y aller. Pourquoi? Pourquoi pas? T'as la trouille. Trouillard. Je suis pas un trouillard. Si tu veux être notre ami, va falloir entrer. Mais dis-le-moi, j'ai pas envie d'y aller. Bon, c'est maintenant, allez. Bébé. On s'est bien marré. T'attrapes? Ouais. Ouais. Tu me passes un gant? Allez, vas-y, lance. Vas-y, lance-la. Là, mon père va me tuer, c'est clair. C'est pas attrapé, Sumo. J'ai essayé, mais il l'a lancé trop. Et alors, tu ne sais pas sauter, gros tonneau? Ouais, t'es qu'un gros pourri. Le repas est prêt. Très bien. Alors, c'est comment? Je suis bon cuisinier, hein? Cette ville est d'un ennui mortel. Ça ira mieux dès que l'école reprendra. Je peux même pas aller au cinéma, c'est trop loin de la maison. Je terminerai ce week-end. Dès que j'ai mes 18 ans, je fiche le camp et je retourne à la civilisation. Avant que tu retournes à la civilisation, ce week-end, je te conduirai à Burlington, on ira au centre commercial et je t'emmènerai au cinéma. Oh, quelle sortie! Aller au centre commercial avec toute la famille. Je ferais mieux d'écrire que je suis pas toute seule sur mon front. Ce sera plus facile. Courtney, pourquoi tu te plains comme ça, pour rien? Ce sont mes vacances d'été, maman. Je crois que j'ai le droit de m'amuser. Et d'ailleurs, je ne me plains pas pour rien. Par exemple, je suis ravie que Joker ait mangé plus que moi ce soir. Hey! Y a quelqu'un? Thank you.
Votre gamin m'a cassé un carreau. C'est vrai? Je viens de vous le dire. Hé, hey Sam! Tu veux venir un instant? Cet homme dit que tu as brisé un de ses carreaux. Avec une balle de baseball, mon fils l'a vu. Papa, j'ai rien cassé. Tu dis que mon fils est un menteur? Oh, oh, oh. On peut en parler, d'accord? C'est la version des faits, vous en êtes sûr? Je n'ai rien fait, papa, je t'assure. Tu mens. Sam, tu veux rentrer et finir de dîner? Ne traitez jamais plus mon fils de menteur. D'ailleurs, je commence à en avoir plus qu'assez de votre attitude. Oh, c'est vrai? Qu'est-ce qui est arrivé, Gary? Votre gamin m'a cassé un carreau. Il dit que c'est faux, mais j'ai 3 témoins qui l'ont vu. Vous n'avez qu'à nous donner le montant de la facture et nous paierons ce qu'il faudra. Vous l'aurez. Hey. Ça va? Tu parles d'une sale journée. Mais je n'ai pas cassé de carreau. Je le sais bien. Je sais bien. Mais peut-être que la prochaine fois, tu devrais le faire. Qu'on ne l'ait pas payé pour rien. J'en ai assez d'être ici. On ne peut plus s'en aller maintenant? Non. Non, je regrette. Ici, c'est chez nous maintenant. Sam, je ne sais pas si ça va t'aider ou non, mais je crois que je sais ce que tu éprouves. Je suis passé par là. J'avais quelques années de moins que toi, et ton grand-père, mon père, nous a installés à Boston. On vivait juste à côté d'une espèce d'affreux jojo. Il n'a rien trouvé de mieux pour me souhaiter la bienvenue le premier jour que commencer une bagarre et me mettre le nez en sang. Ouais, sympa. Quoi qu'il en soit, tu sais quel était le nom de ce sale môme? Bob Daly. Oncle Bobby? Oui, oncle Bobby. Et t'as réussi à devenir ami avec lui après ça? Les meilleurs amis, Sam. Les meilleurs amis. Aujourd'hui. Comme je te le disais, je ne sais pas si ça va t'aider, mais... accroche-toi, fiston. Je suis sûr que les choses vont s'apaiser. J'en suis certain. Bon, eh bien si toi et ton chien, vous vous mettiez en pyjama, hein, et que vous alliez vous coucher, on se verra demain. D'accord? Tu sais que je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Très bien, nous allons commencer. Arrête de regarder le game. Bon retour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Mais à présent, il est temps de reprendre le travail. Je suis Monsieur Grisham. Et cette classe est du niveau 7. Je crois reconnaître tous les visages de l'année dernière, mais il y en a un que je ne connais pas encore. Et c'est Sam Docherty. Veux-tu te lever, s'il te plaît? Allez, redescends sur terre, Sam Docherty. Voudrais-tu? Sam, voudrais-tu nous parler un peu de toi? D'accord. Peut-être qu'on va te laisser le temps de t'adapter. Tu peux te rasseoir. Très bien, les enfants, vous ouvrez votre livre, page 73. Vénéneux. Tu vois, elles sont rouges, ces feuilles. C'est un avertissement, c'est un signe. Ça veut dire, ne t'approche pas de moi, ne me touche pas, ou alors tu vas te gratter comme un damné.
Tu ne t'entraînes pas à ton tai chi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te fait? Oh, je crois que j'ai vu ce type, Judd, qui passait par là. Et alors? Qu'est-ce qu'ils ont? L'affaire! Arrêtez! Ça suffit! Allez-y, les gars, je vous rejoins tout à l'heure. Tu veux essayer ça? Non. Ça n'a pas l'air mal, pourtant. Salut, ça va bien? Salut. Salut, Judd. Sam. J'ai espéré vous trouver ici. Je veux toujours vous parler à l'école, mais vous savez. Vous avez déjà essayé de tirer? Non. On tente le coup? Allons-y, mesdames et messieurs, à tous les coups, on gagne! T'as qu'à sauter comme ça! Comme ça! Non, tu fais n'importe quoi! Ah, arrêtez! Laissez-moi, je veux pas monter là-dedans! Allez les jeunes, tentez votre chance, à tous les coups on gagne. Et voilà, la jeune fille a gagné un nounours. Bravo mademoiselle. Il faut essayer de regarder droit, bien en face. Allez, vas-y, essaye. Tu me montres? Ouais. Voilà, c'est simple. Il suffit de presser la détente, c'est tout. Ne bouge plus. Et voilà. J'ai gagné. Tu vois? Attends, je vais te montrer. Regarde. Sam, il faut que tu vises bien la cible. Tu presses la détente sans bouger. T'es prêt? Concentre-toi. Regarde sous la ligne. Et voilà, c'est pas si dur que ça. Attends. Bravo, joli tir, monsieur. Celui-là? Oui. Celui-là. Et merci. Voilà. Merci. Mais je t'en prie. Sam, pourquoi tu n'irais pas t'acheter une barbe à papa? Je pleurons. Amuse-toi bien et sois rentré pour 6 heures. Ils s'y prennent bien pour m'éloigner.
Ils vendent des pétards. On y va. Je passe par derrière. Ouais, c'est là. Alors, t'as la trouille ou quoi? Arrête de dire ça! T'es qu'un trouillard. Laisse-moi! À démolir quelque chose. Ouais, allons-y. Hé, les gars, on devra aller acheter des gaufres avec de la crème. T'as pas besoin d'aller. Allons-y. Que je change les sièges, que je la repeigne. C'est un vieux monsieur qui me l'a vendu pour 200 dollars. Je te fais cadeau de tous les autres détails. Non. C'est très différent. Tu veux faire une balade? Oh, mais ça ne fait rien. Si tu refuses, ce sera une autre fois. Non. Non, je veux bien. Merci. Faut qu'elle chauffe un peu. Allez, dépêche-toi. Tu vois? Désolée. Tu vois, je t'avais bien dit qu'elle devait être réparée. Peut-être que je ferais mieux de sortir de là si jamais elle explosait. Oui, c'est bien. On n'est plus très loin, on va marcher un peu. Et puis c'est moins dangereux. Tu te dépêches, toi. Tu vas voir, on va bien s'amuser. On va tout faire sauter et ça fera un beau feu d'artifice. Ouais, boum! Oh, ça brûle! Feu de forêt! Faut l'arrêter tout de suite! Vite, vite! Allez, pousse-toi! Regardez, un espion! Attrapez-le! Attrape le chien! Elle lui a donné un coup de pied. Rends-moi mon chien. Non mais pourquoi tu fais ça, t'es fou? T'as pas vu ce qui s'est passé pour Joël, t'es dingue! Alors tu vas aller cafeter? Je dirai rien à personne. Je voulais seulement qu'on soit amis. Les gars, il m'a fait un croche-pied. J'ai déjà des amis et j'en changerai pas, tu peux me croire. Allons-y. Et il m'a fait un croche-pied, vous avez vu? Mmh.
Maintenant, il sait qui est le chef, hein. Ouais. Ouais, c'est sûr, il a compris, c'était cool, les gars. Commandant du réseau, ici Aigle 25, prêt pour la détonation? Attention, prêt! Allez! Ouais! C'était drôlement bien! Tu sais, tu mets une fusée comme ça dans une boîte, tu peux faire sauter une maison. T'as raison, mon gros. Une fois, mon cousin m'en avait donné une, et pour rigoler, je l'ai jetée dans les fenêtres de la vieille sorcière qui vivait près de chez lui. J'ai fait sauter toutes ses fenêtres, et on n'a plus entendu parler d'elle. Je déteste ce pont. Ça va plus vite par là. Trouillard. Non, je suis pas trouillard. Si tu savais nager. Mais tu sais même pas nager non plus. Si, je sais. Qu'est-ce que t'es menteur. Jill, va doucement. Allez, dépêche. Je te dis que je sais nager, moi. La seule et unique fois que je t'ai vu barboter, c'était dans l'eau de ton bain, sale menteur. La ferme, gros tas. Lâche-toi, la ferme. Je crois qu'il s'est noyé, Sam. Joker ! Joker ! Joker ! On le cherche depuis longtemps. Je regrette, je crois qu'il a disparu. Papa, est-ce qu'on peut le rechercher encore quelque temps? Oui, on va le faire. Je vais te dire quelque chose. Si on ne le retrouve pas, je te procurerai un autre chien. Je ne veux pas d'un autre chien. Je veux Joker. D'accord. Suis-moi. Joker ! C'est pour le carreau que j'ai cassé.
Je te rembourse. Je t'ai rien demandé. Prends-le, si. C'est à toi. Je regrette pour la maison hantée. Et moi, je regrette pour le lierre vénéneux. Alors, c'était toi? Et je regrette beaucoup pour ton chien. Alors, t'attrapes la balle? Très bien, on se calme tout le monde. Sam Docherty, veux-tu te lever, s'il te plaît? Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas encore, Sam Docherty n'est pas seulement le nouvel élève de cette classe, mais il est surtout devenu le grand héros de notre ville. Alors, pour la natation, je t'engage dans notre équipe. Si seulement on en avait une. Bien, reprenons. Allez au travail. Page 84, s'il vous plaît. Vous répondez aux questions 1 à 6. Bonjour, Madame Docherty. Oh. Oh, vous êtes un vrai gentleman. Merci. Ça me fait plaisir. Je vais aller mettre ça sur le grill. Courtney est là. Merci. Salut. Salut. Je t'ai amené quelque chose. Oh, les tattoos. Je les adore. Oui, ce sont mes préférés. Merci. Ça avec ton cavalier. Il ne peut avancer que de 2 cases en avant et 1 de côté. Je comprends pas, ça n'a aucun sens. Si, c'est facile. Pourquoi on ne peut pas les avancer tous de la même manière? Parce que c'est ça, les échecs. Un petit cadeau, c'est pour vous. Oh, merci. Je crois que je ne me suis jamais présenté à vous correctement. Je m'appelle Mac Weatherton. Gary Docherty. Bienvenue à Woodfield, Gary. Merci. Et je vous ai apporté des poissons. Oui, je vois ça. Merci. Sam, je... Merci. Je te remercie beaucoup. De rien. Joker! J'ai trouvé vers le bas de la rivière, vers Smithfield. Allez, vas-y mon chien. Allez, vas-y. Oh, Joker! Merci, Dennis. Pas de problème. Bon retour à la maison, mon chien. Si on s'en allait d'ici, si on partait quelque part où on peut enfin vivre,
Où ça, Gary? Je l'ignore, quelque part. Il y a bien un coin où... On va bien trouver un endroit où les enfants sont gentils entre eux. Où ils ont le droit d'être des enfants. Eh, vous voulez que je vous raconte une blague? Non. Bon, je vous la raconte quand même. Alors à quoi vous reconnaissez Ronald McDonald sur la plage? J'en sais rien. À quoi? À quoi? C'est le seul qui a des petits pains au sésame collés dans le dos. C'est malin.